Good morning, on se retrouve de nouveau devant ma machine à café. Bah écoutez, je viens d'envoyer Haroun à l'école. C'est parti, lundi matin. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien. On va commencer avec un petit café. J'ai pas mal de choses aujourd'hui à faire et je vous embarque avec moi. Je vais faire les lits rapidement et ensuite je vais me doucher. Est-ce que je vais trouver le rideau? Oui, voilà. Hop, on va faire le lit. Vite fait, bien fait. Et voilà. Je sais, il y a plein de coussins, mais c'est pas grave. Bon, je vais mettre au travail. Je vais profiter du fait que je suis toute seule à la maison pour avancer un petit peu. Je me suis préparé un truc à l'arrache, vraiment. Yaourt grec avec du muesli. J'ai mis des graines de chia. J'ai oublié de mettre du miel. J'ai un petit kiwi, mon café. Et bah écoutez, c'est parti. On va travailler un petit peu. Voilà, nouvelle télé installée, je suis trop contente. Ça fait un moment qu'on voulait passer sur cette télévision. Et ben voilà, maintenant, ça y est, elle est là. Je suis trop, trop contente. Alors, le truc, en fait, c'est que je vais devoir trouver une astuce. Vous voyez, pour cacher ces fils, là, tout ce que vous voyez là. J'ai déjà une petite solution. On va utiliser des livres. Je vous montre la transformation tout à l'heure. Je vais aussi enlever ce panier. Bref, on va faire quelques petits changements. Mais je suis trop contente. Non, this one. Albert Biestad, Valley of the Yosemite. Bon, alors ce que je vais faire, là j'ai rassemblé quelques livres de la maison. J'en ai plein qui sont en France que je vais récupérer en partant. Et en fait, je vais utiliser les livres pour cacher, vous voyez, toutes les prises là que vous pouvez voir. Mais franchement, les filles, regardez-moi ça. C'est choquant! On dirait un cadre et je pensais en fait prendre une taille plus petite et rajouter des cadres autour et finalement je me suis dit non on va faire en fait genre le grand cadre en sachant que j'ai d'autres cadres ici, vous voyez, d'autres cadres dans la maison un peu dans le même esprit, mais là pour le coup franchement je suis trop contente. Bon, un petit DIY. J'ai ce vase que j'ai lavé la dernière fois et donc du coup il a perdu un peu de la peinture et du coup je vais utiliser cette bombe, vous voyez, de chez Rust Olem. Et en fait ça a cet effet là en fait, effet stone. Donc voilà, je vais faire ça et comme ça je vais pouvoir terminer ma décoration. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tous des livres ici pour cacher, j'ai passé la barre en dessous, j'ai déplacé le boîtier et alors ici je vais compléter avec d'autres choses. Ah, oh, on va y arriver, on va y arriver, c'est déjà beaucoup mieux. Je vais retirer aussi la lampe, je pense pour que ça fasse vraiment bien propre. Déplacer le pouf aussi. Bon, allez, je vous montre le résultat. C'est pas final, mais en tout cas, ce que j'ai fait pour l'instant, parfait. Next, quand je reviendrai, je pense que je vais ajouter des rideaux de nuit. Mais franchement, c'est à réfléchir dans le sens où j'ai déjà des rideaux à l'extérieur dans le balcon. Regardez-moi ça. Je suis juste trop contente. Entre-temps, j'ai reçu aussi... J'ai reçu ici une valise de chez Mountain Buggy, c'est la même marque, franchement elle est vraiment pas chère. Je sais pas s'il livre partout, c'est une marque australienne, Mountain Buggy, j'avais la poussette pour les filles, canon, que j'ai gardée super longtemps, elle est dans tous mes vlogs. J'ai la même pour Haroun et en fait ici c'est un luggage spécial dans le sens où vous voyez en fait vous pouvez faire porter l'enfant dessus et c'est juste super pratique parce que donc c'est une valise que vous allez prendre avec vous en cabine, c'est une valise de cabine, c'est une valise que vous allez prendre avec vous en cabine et en même temps ça sert de siège et une fois que l'enfant il est plus grand, c'est jusqu'à 15 kg, donc il peut porter un enfant jusqu'à 15 kg et après une fois que l'enfant est plus grand vous retirez la partie haute et ça devient juste une valise toute simple. Voilà, ça c'est un autre truc mais trop content, tout arrive juste pile. C'était vraiment pas prévu que je vlogue. Bah écoutez, je vais
je vais manger un petit bout et j'attends que les filles rentrent. Dès que les filles sont rentrées, je vais les mettre devant l'ordinateur. Ahmed va prendre la relève et je dois partir à Ikea pour faire quelques achats. Bah écoutez, bon, vous restez avec moi, vous êtes toujours là, vous me suivez. Oh my gosh, il fait chaud. Oh my gosh, c'est un vent chaud. Vous entendez? Vous sentez? Est-ce que vous sentez ce vent chaud? J'arrive même pas à ouvrir mes yeux. Bon, on arrive à Ikea. Faire attention. Oh là là, la clim, Purée, les filles, vous me croyez ou pas? Je vous assure que depuis ce matin, j'ai pas été aux toilettes alors que je suis super pressée. Donc on va aller aux toilettes et ensuite on va faire les courses à Ikea. Allez, toilettes. C'est pas très glamour, hein? Allez, on y va. Un propre. Propre. Ok. Bon, bah, bienvenue à Ikea. Dans le taxi, oh là là, je suis crevée. Bon, finalement, je suis restée un peu plus longtemps que prévu. Je peux pas aller chercher les plantes parce qu'il y a déjà deux sacs et que c'est juste pas possible. Donc, du coup, j'irai demain avec mon collègue, ça sera beaucoup plus simple. Du coup, là, je rentre à la maison. Ah, il y a les devoirs qui attendent. J'ai déjà demandé à Maître de me préparer mon café parce que j'ai pris des chaussons et des croissants avec moi. Histoire de se poser un petit peu avant de faire les devoirs. Bah écoutez, franchement journée, c'était la course aujourd'hui et c'est pas terminé. C'est ça le pire. Alors il faut vraiment que je reprenne l'habitude de regarder ici quand je vlog. Parce qu'en fait, le côté négatif avec cette caméra, c'est que l'écran, le retour écran est au-dessus. Et on s'habitue vite. En fait, limite, je devrais juste le mettre comme ça. Voilà, comme ça je vous parle directement. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir un retour écran parce qu'on sait ce qui se passe. Hein. Voilà. Bon, bah écoutez, on se retrouve tout à l'heure à la maison. Et bah, j'espère en tout cas que voilà, bah, ces petits moments avec moi vous font plaisir. et si ça vous fait plaisir, il faut vraiment me laisser des commentaires et me laisser des messages. Et voilà quoi. Parce que si j'ai pas de retour, bah, les vlogs, je vais commencer à en faire un peu moins. Mais là, je suis motivée. Étant donné que j'ai une nouvelle caméra, je me dis, allez, on va l'utiliser à fond. Et on se retrouve tout à l'heure. Comme vous pouvez le voir, on se retrouve en mode devoir. Donc là, les filles sont parties chez Haroun avec Ahmed et elles vont faire un petit tour par le parc. Donc là, il leur reste plus qu'un exercice. Elles doivent chercher ces mots dans le dictionnaire. Donc j'ai préparé ce dont elles ont besoin. Comme ça, après ça, on va manger. Et après ça, on va manger. Bah, écoutez, je pense qu'il est temps de se quitter sur ces mots catastrophe, confortable et chahuté. Et on se retrouve très vite pour un nouveau vlog. Bye, bonne soirée. Enfin, bonne soirée. À bientôt. You ready? Let's open your sky rider. Let's go. Let's open my sky rider. Yes, your sky rider.